Donc, on papote un peu. Hier, il dit que j'ai parlé avec vous, mais j'étais un peu fatigué. Mais vous raconte. Non, c'est des choses. Non, pas ça. Manu Fabou. Salut, c'est comment? C'est pas la connexion ici là. Non. C'est comme si c'est pas la connexion ici. Même du lait. Hein? Du lait, je sais que je suis chaud. C'est comme si c'est pas la connexion ici là. Comme si c'est pas la logo. Alors là, attends, il y a le. Et tu sais le wifi? En fait, ça va sentir le. Le wifi de l'hôtel. Mais alors, attends, mets le wifi de l'hôtel alors. Tiens. Par contre, on te voit. Descends le. Ton ah, ton enfant. Le fils est déjà bon. Ça va pas. Là, c'est. En vrai, les cœurs pour te finir, comme mon frère. Venons en cause, non? Je ne vais pas causer avec vous. Venons en cause, c'est comment vous vous dites? C'est TikTok. Parfait. Le chocolat, il était bien. Non, il fait bien. Okay, parce que je vais juste continuer, oui. Attentif, oui. Professionnel, oui. Là, la musique, ça va tuer. Mettez les crêpes, mes gens. Priscaline, bonjour. Bon, madame, mettez les crêpes, parce qu'on m'a causé, non. Je vous dis ce qui m'a arrivé hier. Je vous dis ce qui m'a arrivé hier. Quel était le bon foyer me tuer hier. Partagez le live. On va faire le soccer. Partagez le live. Mettez les cœurs. C'est comment la Priscaline? Ça va, Nini. Ça va. Maman. Tu les ténébreux. Maman. Qui ou quoi? J'ai dit que tu as fait le bim sur les ténébreux. Un bim. Mince. Elle fait le bim, mon frère. Elle fait quoi que tu as fait, Paolo? Elle a pris le fond, hein? Le mangué m'a dit quoi? Non! Le mangué! Maman, tu vas parler dimanche. Non. Cherchez vos Paolo. Cherchez vos Paolo, vivant. Tu as fait le bim, mon frère. J'ai arrivé à te réécouter les conseils de Manfo. Cherchez vos Paolo, vivant. Oh, Nico, quand tu as sa fille, ma fille est italienne. Ils sont là. Ma fille est, vous ne connaissez pas ma fille est italienne de souche. Non, tu as fait le bimbo ténébreux. Ils vont encore dire quoi? Le mangué. Oh, Nico, que tu n'as jamais parti à Paris. Oh, Nico. Tu vas maintenant dire quoi le tout si le mangué? Ah, il est à Paris. Non, tu as fait faux. Je suis sûr qu'il va venir à la soirée là en cachette. Mais c'est pas pour refuser les gens. Moi, le problème, elle veut que sa soirée, les ténébreux peuvent vous être invités à la soirée. Exactement. Donc, quand tu n'es pas ingrate. Dans les business, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas de team. Dans les business, pas d'ennemi, pas de team. Le Morgan a sa chance de voir Nico Kecha. Voilà une chance que tu as. Il n'y a pas de team. Il n'y a pas de comme depuis, tu es ta star, tu rêves de voir Nico Kecha. Voilà une chance. Maman, les femmes, maman, femme, et. Je sens comment ce soir, non? Non, La soirée qui m'a fait mal. Je savais pas qu'un jour, je pouvais mettre mes pieds à Paris, mais c'est grâce à ma faute. À la soirée. Alors, je m'a donné l'occasion de mettre mes pieds à Paris et on m'a invité. Exactement. À la soirée, Annie. Alors, tu fais le direct. J'ai été honoré. Comme une grande. Tu n'as pas une team, mais tu vas partager partout et partout. Non, je n'ai pas moi de team, mais je ne suis pas moi. Elle n'a pas une team, mais j'ai été honorée par les fans de Maman Pépé et Mafou. Ils m'ont pris comme leur mère. Maman Lily, c'est grave alors. Ouh, ouh, ouh.
Attendez, vous allez voir. Bientôt, ma maman Pépé, on va se voir, on va aller se coiffer tout à l'heure. Vous allez voir le miracle. Maman. Il paraît pas faux. C'est très grave. Maman, elle dit qu'elle a les photos. Nicole, tu fais les belles photos. On va poster, t'inquiète même pas. Hé, hey, les belles photos. Lui que Morgan va mal dormir aujourd'hui. Non, il me certifiait qu'il n'y a pas les papiers. Oh, Nicole, que tu as peur, maman. Il dit que. Là, tu vas mettre tes romans, non? On va se. Marita, bonjour. On va poster. Mmh? Oh, ah, attendez. Oh, Nia, je suis contente jusqu'à. Merci beaucoup. C'est bien quand tu es heureuse. Les gens t'ont non, dit. Non, tout le monde doit être heureux de ma chérie. C'est dans ton vrai vie. Elle va te trouver là-bas. Donc, le voyage, elle est partout là. Elle va te trouver à l'Allemagne. Oh, ouais. Non, bientôt, mais en Allemagne, elle arrive. Même en Allemagne, j'arrive parce qu'elle était quelqu'un. Tout le monde doit être heureux. Tout le monde. C'est pour vous dire que la marque va pépé et ne mange pas seule. Ils encouragent. Regardez-moi. Oui, oui. Je suis venue à Paris. J'ai été accueillie comme une princesse. J'ai mangé le héros, ça m'a dépassé. D'où je loge, alors c'est. D'où je loge, là, c'est la Chimamelu. C'est un avélu dans un appartement, c'est la Chimamelu. Waouh. C'est la tête. C'est dit que la lumière. La lumière, maman. Hey. Laisse pas le. Attendez le soir. Mais maman, là, non. Le soir, ce serait le soir, c'est le grand frère. Non, j'ai confiance. Les belles soirées que les pipitologues organisent souvent, les belles soirées. Non. La soirée de Mafo, la soirée de danser. Ouais, là, je dis que. Maman Julia Robert dit que Nicole, je viens d'arriver à Paris. Ah, moi, tu as comment non? J'espère que tu vas bien. Bravo, Nicole, heureux pour toi. Merci, chef de classe. Je dis que. Maman, je vais partager. Ça sera la soirée de l'heure. Les robes vont parler, maman. Les robes vont parler. Qui va se déguiser? Oui. Tu prends l'iPhone de Mafo. Tu te filmes avec. Tu as compris? Non, c'est dans l'aide de Mafo. Moi, papa, va lancer. C'est dans son live. Non, vous allez me voir avec elle. Voilà. Tu fais des belles photos. Belles photos, là, dans la classe, là. Ce qu'on va poster. J'ai dit, on t'encourage. C'est de ça qu'il s'agit. Merci pour la lumière. Merci pour ça. Ok, bisous à vous. Quand je suis venu peut-être un jour à Paris, il y a des gens de la lumière qui vont t'encourager. Parce que les gens, les mamans de la lumière aiment tout le monde. Je suis avec Nicole, je te prends. Quand je suis avec Nicole, tu seras la prochaine. Donc, les mamans de la lumière aiment tout le monde. D'accord. Tout le monde. C'est que je suis à Paris. Ouais, tu salues maman, mi-beauté. Maman dit qu'elle va te venir. Elle va venir. Tout, dans la lumière, on aime tout le monde. Donc, quand tu vas venir à Paris, il y a les gens qui vont t'accueillir. Ce qui est sûr que ne te dérange pas. Tout le monde va grandir. Amen. Tu as compris, non? Ne te dérange pas. Quand tu vas venir à Paris, tout le monde, même maman Clarisse, elle va t'accueillir. On va te loger. C'est le temps qui est ça. Voilà. Tu sais, comme une petite princesse. C'est comme ça la lumière. Amen. Donc, ne t'inquiète pas. Il faut juste être humble et simple. D'accord. Bien sûr, et patient. Positif, patient. Là, tout va autour. Amen. Ok, bisous, Nicole. Bisous à bisous, maman. Bisous. Je vais un peu raconter. Partager le direct, mes chers frères et sœurs. Je vais un peu raconter ce qui m'a arrivé hier au restaurant là. Les gens pensent que vous pouvez muser Nicole Kitcha. Je vous ai dit, partager le direct, je vous raconter ce qui m'a arrivé dans le restaurant d'où j'étais hier soir avant de peindre. Je suis peine parce que vous savez que quand la flexion qui m'ont remarqué, les gens qui m'ont remarqué dans le restaurant là, sans le cas, quand ils savent, ils attendent qu'ils aient à côté de ta tête, maman. Donc, une fois que tu es déjà prêt, il fallait donc que maman lui fuit. Pourquoi on ne la filme pas? Pourquoi la femme n'est pas dans la vidéo? Parce que la femme était prête. Que j'ai pris son cas, je lui dis, quand tu vas arriver à l'aéroport, quand tu descends à l'aéroport de Beauvais, tu descends. Si le moment que tu arrives,
Je vois deux femmes qui me disent Nicole Ketchup. Je dis que mais qui me connaît ici là? Viens une fois. Ah mais c'est toi qui fais les directs sur Facebook. Je dis que oui, c'est moi qui fais les directs sur Facebook. Dis que waouh, c'est comment et tout et tout. Elle dit que waouh Nicole, c'est comment dit. Elle dit que merci comme tu faisais vraiment pépé et ma faux. Elle dit que merci beaucoup. Parce que elle prend 50 €, elle me donne que non, donne à ma, c'est pour ma, c'est pour Marie. Non non, regarde, tu dis que merci. Arrache ton sac. Avant que les deux dames me voient, j'espère que vous n'êtes pas de la télévoie. Comment est-ce qu'on va me taper là? Elle me dit que non, 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 Nicole n'est pas de la télévoie. Pardon, nous sommes de la lumière. On t'aime bien parce que tu aimes maman pépé et ma fille. Ok, ça me rassure. Parce qu'elle m'a un peu accompagnée. Tu vois, non, je devais partir. Elle m'a laissé à la gare de Lyon. Non, non, avec tous ces froids-là. Après, il devait, arriver. Attendre, non, maman dit. On va finir ce déjeuner. Je vais le monter à chaque fois qu'on en parle. Après. Et en attendant, on va appeler maman. Après, maintenant, je vais. Donc, attends, maman dit et maman Clarisse. Quand ils sont venus, ils m'ont pris. Si ce n'est pas lui, avec un ami là. Je vais demander son de me dire là où je peux manger avec elle. Ils sont, on est parti au restaurant. Non, non, oui, ok. C'est ça que je te dis. On arrive là-bas. Tout ce que tu fais. Moi, il ne vient pas. Non, je te donne le programme de la. Attends, le dire, mais j'ai fait. Oui, oui. Vous pensez votre fille, n'a pas eu peur. Le dimanche, je n'ai pas eu peur. Quand les étudiants ont passé, bataille le dimanche, on peut dire 14 ans pour aller manger. Je vais dire à pipi que pipi. Tout le monde dort bien. Pipi, regarde-moi. Même si c'est à midi. Regarde-moi. Elle est sans maman, elle est petite. Demain, petit déjeuner, oui, je pense qu'elle prend un petit déjeuner avec elle. Là, on c'est deux petits déjeuners. Un petit, oui. Un qui est offert. Oui. Un qui c'est cadeau, c'est pour moi. Ah, waouh. Wow. Là, j'en ai dit un. Ça veut dire que demain, je ne vais pas demain. Demain, si vous prenez. C'est moi, je suis là demain aussi. Ah, ça marche. Là, j'ai vu que l'apéro. En vrai, Lili, j'ai organisé mon petit déjeuner. Donc, ça fait ce jeu demain matin garanti. J'ai un frère ici. Il fait ça. Pour Nicole, elle a déjà offert petit déjeuner pour Nicole. Merci. Merci beaucoup. On se tient au courant. Repose-toi. Non, tu as bien réfléchi. Tu as bien réfléchi parce que moi, je suis regardé comment on va faire les va et bien. C'est toi qui as bien un bon qui vient ici. On sort ensemble. Donc, la journée, c'est bon. Attendez, en tout cas, la maman dit attendez, sinon on se tient au courant. Dès que je fais un petit déjeuner, je monte avec elle et on va localiser maman Pépé. Oui, non, je sais. Prenez ton temps et tu viens une fois. Ok. Ben non, comment est-ce que tu fais? Non, non. Attends, partez. Il faut donner rendez-vous. Ceux qui vont voir maman Lévi en figure demain, on reste. Ah non, demain. Aujourd'hui, s'il te plaît. Ah, okay. Aujourd'hui, avec les étoiles. Hein. Parce qu'on ne voit pas maman Lévi comme ça, là. Maman, sur sa fauteuil roulant, parce que maman, il va pousser maman sa fauteuil roulant. Vous allez comprendre que Facebook, c'est plein de mensonges. Maman Lévi, c'est la chimamule, la beauté. Plein de mensonges. Tous ceux qui ont voir maman Lévi, charismatique. Je ne sais pas, moi, j'ai même vu, hein. Mais quand elle est venue, j'ai ressenti ça en moi. Connaissez-vous. Donc, quand elle est venue avec les j'ai ressenti. Avec sa fauteuil roulant. J'ai ressenti. J'ai jamais vu maman Lili, tu vois, non. Une belle personne. Mais quand elle est vue à la gare de Lyon, qu'elle me prend à la gare, j'ai ressenti que c'était la femme-ci. C'est maman Lili, elle me dit que, merde, tu vois comment Dieu fait les choses. Facebook, maman s'est embrassée jusqu'à les bisous. Après, maintenant, quand je vous expliquer là. Après, maintenant, je vous expliquer là, maintenant, là. Non, avec le tonton qu'on était avec, l'ami de maman Clarisse, qu'on était ensemble, là. Son frère aime un tonton gras, gentil, sympa et tout et tout. Il nous a demandé comment manger. Il lui dit que non, moi, il me demandait le héros. Maintenant, il nous a amené dans un restaurant là-bas. Ce restaurant, il a trouvé des pipimanias, maman. Hé, hey, les pipimanias. C'était la clash. Maman, je suis arrivé là-bas, j'entre, je m'assois. Quand il dit, maman, au moment que, quand ils criaient, ils n'ont pas bien. Si j'avais entendu le nom, la femme-là, un chien, maman, il y est là. Parce que quelqu'un était content, maman était contente, quelque chose d'autre. C'est-à-dire que maman, tu es maman, Lili, maman, Lili. Maman était à côté de moi, elle était à côté comme ça, elle était en train de crier qu'en faisant ma mère chez maman, Lili.
Je peux servir son fauteuil. Après, maintenant, quand il m'assoit, la femme là, c'est moi que Nicole Kecha. Je me retourne. Elle me dit que Nicole Kecha, c'est toi. Elle me dit que c'est quoi? Elle me dit que c'est toi qui fais les lives. Tu insultes notre patronne. Non? J'ai dit qui pipi? Elle me dit que oui. J'ai dit que hé. Maman, elle me dit que c'est toi qui insultes notre patron. C'est toi qui insultes notre patron. Elle me dit que oui. Elle dit que pipi. Elle me dit que oui. Pipi, elle dit que pipi, c'est ça. C'est elle que hein? Maman, elle dit comme il était. Beaucoup de femmes, elles avaient peur, tu vois. Maintenant, et comme maman l'invite à côté de moi, tu vois, parce que la femme là, c'est que si elle vient à Paris, c'est qu'elle succédera avec maman Lili. Maintenant, il fallait qu'on distrait. Au nom que le monsieur, le tonton qu'on était avec, il a fait un bon jeu avec maman Clarisse. Maman Lili, il fallait que maman Lili. On partait parce que la femme, elle voulait lancer le live. Elle avait le téléphone avec le téléphone. Elle a lancé le live pour dire que me voici. Tu vois, qu'elle a vu celle qui insulte pipi. Elle voulait lancer le live. Maintenant, j'avais peur qu'elle peut prendre la photo à maman Lili. Elle peut fumer maman Lili. Et comme Malo Fomo avait dit qu'elle veut la tête de maman Lili, que si. Même si elle donne 2 000 $, c'est 2 combien de dollars pour la tête de maman Lili. Elle aura la tête de maman Lili. Maintenant, il fallait qu'on distrait les gens là. Tu vois, non? Et à part, il y avait aussi un gars qui était à côté, qui était pas loin, il guettait maman Lili. Il la guettait. Parce qu'il savait que c'est comme si le restaurant était le restaurant des Mania. Parce qu'apparemment, Pipi. Mange pas loin, c'est à côté, en face, Bangkou. C'est vrai que elle s'assoit, elle mange, elle a garde du Nord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit que maman dit que tout c'est Nicole, papa m'en fait. Si on mange ici, c'est qui est sûr? La femme va me faire, elle va me filmer. Elle va faire le live, elle va me filmer et puis elle va aller donner ça à l'Ofombo. Maintenant, j'ai dit que maman dit faut que je lève, tu pars. Maman dit, comme la fille, maman, elle a fait un village. Elle a fui, elle est partie. Maman, le tonton là s'est levé. Son ami, le tonton là, il s'est levé. Il est parti. C'était un grand frère, franchement. Il était gentil, sympa avec nous. Et tout. Il s'est levé. Il est parti. Il a calé la femme là. la petite manière, la ténébreuse là. Lui, il a demandé que pardon, ne filme pas et tout et tout. Il a commencé à la distraire, parler les petits mots avec elle, tout. Après, maintenant, je lui ai dit que moi, tu insultes ta patronne. Non, il dit que moi, je vais te. Maman, on a clashé. Maman, on a clashé. Il a dit que moi, tu insultes ta patronne qui pisse partout. Elle a dit que tu pisses sa patronne. Comment elle insulte ta patronne? Pourquoi? Il dit que non, moi, je vais insulter ta patronne. Il a dit que venez même sans. Après, elle me dit que. Où sa patronne mange, c'est là-bas chez le restaurant Bangkou. Je lui ai dit que le restaurant Bangkou, là, c'est où? Elle me dit que non, c'est pas le c'est si article, mais elle dit que non, je vais sortir là-bas pour aller me renseigner sur Pipi. Elle me dit que non, elle dit que, mais Nicole, elle dit que mon combat commence avec elle en décembre, que c'est à Paris. Maman, maintenant après, maintenant, elle me dit que toi, la petite fille, c'est pas facile. Après, elle me dit que hein, tu insultes pipi tous les jours. Okay, votre maman faut être comment? Elle dit que maman faut être très belle pour votre pipi pisse. Maman, elle dit que votre pipi, elle pisse à terre. Elle dit que tu veux comparer ta pipi là avec maman faut d'amour. Tu es malade. Maman, c'était chaud là. C'était chaud avant jusqu'à maman. On a chaud. Jusqu'à. Elle dit que mal au fond va te traiter. Elle dit que mal au fond va te traiter, Nicole. Elle dit que mal au fond va te traiter. Tiens, prends le matelas à ta mère. Elle dit que j'ai demandé va prendre le matelas à ta mère. Elle me dit que tiens, prends le matelas à ta mère. Elle dit que maman, si toi tu payes, tu prends le matelas à ma mère. Je vais faire aussi ta maman. Elle dit que, maman, on s'échame là-bas,
C'était grave. Paf. Elle m'a dit que non. Elle m'a dit que non. Tu as tout continué sur ma patronne. Elle m'a dit que non. Tu as sur ta patronne. Elle m'a dit que venez même 100. N'ayez pas peur de vous. Venez 100. Je vous attends. Ok, tu peux voir la maman. Si on commence, c'est me claquer. Elle m'a dit que... Maman, les pipi mania. Les pipi mania. Là, elle dit qu'elle veut traiter votre patronne. Je ne blague pas. Tu m'as vu, elle dit que non, ni commune de rien, tu es belle petite fille, elle dit que non, tu es belle. Comment? Hein? Mange aussi. Elle me dit que non, elle dit que ni commune de rien, tu es belle, elle dit que ah. Elle dit que non, faites vous êtes comme ça, non, c'est le game, elle dit que mais elle ne la laisse pas. Parce qu'il pleuvait, hein, parce qu'il faisait froid, je ne mange pas, hein, je vous jure, je partais au restaurant Bangkou là, poser les questions au monsieur, le papa, bibi. Elle me dit que moi, je partais parce qu'il faisait froid, il pleuvait. Hier soir, il pleuvait. Je partais au restaurant, Bangkou, j'entrais là-bas. Ce n'est pas loin de la gare du Nord. Je partais, j'entrais, je demandais au monsieur que tu connais Pipi. Et que oui, Pipi, Long Lolo. Je partais, je demandais que je pose des questions sur Long Lolo. Vous croyez quoi? Elle me dit que non, tu es fort. Je dis que non. Et que ta patronne, elle a publié ma famille. Ils ont publié ma mère. Je dis ça hier. Vous avez pu bien, mais c'est pas qui tu es le faux profil là. Comme je lui ai dit à la femme là que je ne connais pas qui tu es le faux profil là. Vous avez pu bien ma mère, bien ma famille. Vous avez pu bien ma famille. Il était plus, il était père de trois femmes. Et que je ne connais pas qui vous êtes le faux profil. Vous avez pu bien ma famille, tout et tout. Mais c'est elle qui va payer les conséquences. C'est ce que je l'ai dit hier. Petit de moi seul, dans un petit restaurant. Ok, maman, ma bouche pour sortait. Moi, c'est un petit. Je dis qu'elle ne la laisse pas. C'est comme moi, j'ai dit hier. Donc, on a commencé un peu, petit clash. Après, on a commencé à rire. Tout le monde dit qu'il n'est comme une de rien. Tu es quand même, tu es petite fille, quand même, c'est. Elle dit que non. Elle dit que non. Votre mère, là, votre pipi, là. C'est la part. Mais elle est partie aux extrêmes. Maman Lili dit qu'il y a l'enfant aussi. Maman Lili dit mon collègue, non. Parce qu'il faisait froid hier, il pleuvait. Et que maman Lili était dehors là. Si c'était que je vais entrer dans le restaurant Bangkou là, poser la question au monsieur là que. Si t'as long lolo comme je suis, si qu'elle vient, c'est une femme. Vous ne le connaissez pas, hein. Les gens qui vont me voir, vous n'aimez pas ça. Ouais, que... Maman, et que... On demande que maman, Pipi a choix entre tes mains. On demande que non, Pipi a choix entre tes mains. Non, elle a choix entre mes mains. Elle aura choix entre mes mains. Donc, le problème, c'est quoi? Toi qui achètes tes habits. J'espère que tu seras bien habillé aujourd'hui, car c'est tout ce que les gens attendent sur toi. Comme ça, tu es une pauvre fille, tu es habillé pour 10 euros et tu seras classique et belle. Attends, maman, si je m'habille n'importe quoi, je m'habille plus que ta patronne. Non, le point c'est que tu acceptes que tu es pauvre. Maman, et même si tu portes 5 euros, ce n'est pas un problème. Je suis pauvre. Ah, c'est eux les riches. Vous avez dit que Nico, que tu n'as pas les kaolo. Vous avez dit que Nico, vous avez dit que la honte c'est pour qui? J'ai bien fermé vos bouquets. Vous allez que Nicole, que je n'ai pas les Kaolo. Je n'ai pas pris le train. Je n'ai pas pris le train. Quand tu arrives, quand tu descends de l'aéroport, avant d'entrer en France, il y a encore une autre ligne. Que tu montes ton passeport, le contrôle. Que tu montes ton passeport, tu montes ta carte de séjour. Si ta carte de séjour n'est pas valide, on te fait rentrer en Italie. Tu n'entres pas en France. Mes gens, je ne suis pas n'importe qui. Quand je suis entrée en Italie, j'avais écouté les conseils de Mafo. Avec dit que ne partez pas dans les grandes métropolitaines. Restez dans les petites. Restez dans les petites, dans les campagnes. C'est là que je suis restée, je suis tombée sur le père de Mariora. J'ai accouché mon enfant. Tu as compris? C'est ça qui m'a donné mes papiers. J'avais raconté qu'au Nico que je n'avais pas les papiers. Hein? Vous avez dit que Nicole, que tu n'avais pas les papiers. Bien je suis. Avant de bonza, on va s'en arrêter. J'ai les papiers.
Parle encore. Parle encore. J'ai pris le vol. J'ai pris une belle compagnie, mais ce n'est pas Air France. Parce que Air France n'était pas là. C'est elle qui m'a payé le billet d'avion. Hmm? Le président, mon président, yeah. Mon papou d'amour, il a contribué à beaucoup de choses. Mon appartement, c'est une de mes mamans en Angleterre qui m'aime. Hmm? Vous allez regarder par les papiers, non? Le morguer, tu es où? Le morguer, tu es où? Le morguer, sort de ta cachette. Erika, sortez de votre cachette, non? Vous avez dit que la fille de Maman Pépé et de Mafo, non, Nicole clash pour soutenir Maman Pépé, Nicole clash pour soutenir Mafo. La fille n'a pas les papiers. Vous avez dit qu'on n'est pas les, vous avez dit qu'on n'est pas les, qu'on n'est pas les papiers, non? Donc, je vais faire quoi en Europe? Je clash pour les vieilles mamans. Mais les mamans là, j'ai écouté les conseils de Mafo. C'est ça qui me fait venir en France, ça qui m'a fait entrer en France. Parce qu'elle avait dit, quand tu arrives en Europe, d'abord, la priorité, c'est d'abord tes kaolos, tes papiers. Parce que j'ai bien gagné, j'ai accouché mon enfant. Elle m'a donné les papiers. Parlez encore, vous les télépotes. Oh, je soutiens les femmes là pour rien. Parlez encore. Vous savez que dans la soirée, là, il y a un qui m'a promis les dos. Mario, ouais. C'est ça que je vais rentrer, ma 500 euros de Mario. Ouais. Et on m'a donné 50 euros pour elle. Sans compter ceux qui m'ont donné à la soirée. Marie Aura, qui m'ont promis qu'en soi, ils m'ont dit que je suis Marie Aura. Vous avez compris? Oh, elle appelle les papiers. Oh, ceci. Oh, la bouche du morguer. Le morguer, ta bouche là. Tu veux venir là-bas, au Havre, je vais te taper. Donc, Havre n'est pas. J'ai même vu Argenteuil. Donc, on va pas à la route qui part à Argenteuil. Donc, la route, donc on va pas. J'ai vu Argenteuil. C'est la route là. J'ai vu ça là-bas. Donnez le coup, peut-être qu'en France, qu'on ne peut pas venir en France. Bon, voici donc. Oh, la petite, la sale petite fille qui est en Italie, elle n'a même pas les papiers. Ngo papa, prends tes papiers, que tes faux papiers, viens en Italie, on voit. Les papiers que j'ai pas dans tous les pays européens. Hein? Parce que j'ai les papiers d'un enfant italien. Parce que j'ai les papiers d'un enfant italien. Qui est dans l'Union européenne. Vous ne parlez plus. Vous avez qui veut prendre le train. Je vais voler. Vous avez qui veut voler pour le train. Vous ne parlez plus les ténébreux. Vous ne parlez plus. Je ne soutiens plus Maman Pépé et Mafo dans le vide. Quand je suis venu soutenir les gens dans le vide sans rien avoir, je suis en état d'aller me chercher. Donc vous, toutes ces femmes-là qui sont dans le nord qui m'insultent, vous n'avez même pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers, vous n'avez pas les mêmes papiers que moi j'ai. Vous n'avez pas. Vous riez, là. Les gars, ils sont en sous-marinage. Maintenant, ils viennent me poser que on va voir comment tu t'es habillé. Si je m'habille n'importe comment, les sensés que je suis en Mexique, non. Si elle m'habille n'importe comment, les sensés que je suis en Paris, non. C'est pas l'essentiel. Si je ne venais pas, oh, je comprends que Facebook, la toi était calme. À part Maman Pépé qui a fait le live hier. À part Maman Pépé qui a fait le live hier sur sa page. J'ai compris que Facebook, la toi s'est tuée. Mais Orangula, je ne sais pas ce que toi tu me dois, ma chérie. Maman Orangula, je ne t'ai jamais clashé dans la vie. Je ne t'ai jamais manqué le respect. Okay, mais ton post que tu as publié, ma vidéo là, okay, je laisse toi à Dieu. Je suis venu à nouveau faire le posa. Maman Goula, je n'ai jamais menti sur le fait que tu étais riche. J'ai toujours dit que je suis venue comme une brosailleuse. Hein? Si vous êtes riche, tu veux te moquer de moi parce que je suis entrée dans le vol. Si tu es entrée dans le vol des années, ça fait quoi? Moi, je viens d'entrer. Toi et moi, il n'y a pas de différence. Hein? Toi et moi, il n'y a pas de différence, maman Orangula. Que tu vas faire le poste, tu publies mon tu de vol pour te moquer de moi. Ça sert à quoi? Mais maman, c'est comment maman chérie? Oui, ma fille, s'il te plaît, aujourd'hui, là, ça va être après. Tout ce que tu parles là, ça va être après, s'il te plaît. S'il te plaît, n'entre dans rien là. Parle de ta venue et ne réponds à personne, s'il te plaît. S'il te plaît. Elle a publié mon poste de l'aéroport.
On ne sait, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est là pour s'amuser. Aujourd'hui, nous sommes là pour s'amuser. Et nous sommes là pour soutenir Mafou. Nous sommes là aujourd'hui pour le couronnement de Mafou. Le reste là, ça va être le 10. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse toutes ces personnes qui vont faire quoi sur toi, s'il te plaît. Bienvenue à Paris, ma fille. Merci, maman Lili. Bienvenue. Regarde, tu as fait le taekwondo hier. Je te dis, je suis encore couché. Bienvenue à Paris. Merci, maman Lili. Merci, ma mère. Merci. Merci pour l'accueil que tu as fait, pour que tu as honoré ton enfant. Même comme ce n'est pas facile pour toi et moi, là, on se tape ma porte. Si on entend ta bouche, on ne te fait rien, je te jure. Elie, c'est à toi, Lili. Hein? Laisse tous ceux qui vont parler. Là, aujourd'hui, on se concentre pour la belle cérémonie, pour le couronnement de Mafou. Aujourd'hui, s'il te plaît. Te voilà deux pommes à genoux et ta bouche sort, maman. Tu sais que je peux t'appuyer. Est-ce que maman Lili dit que maman voilà? Maman Lili le morgue ou non? Maman Lili insulte le morgue ou elle a dit que la vieille il a tout qui encourage. Il va comme un clasher. Maman Lili. Aujourd'hui ce n'est pas pour le. Non, c'est le morgue. Le morgue a dit que maman Lili m'encourage. Elle a bien l'idée à tout. Elle a porté pour l'homme. Elle encourage et il a quand même clasher sur toi. Non, s'il te plaît. On ne pourra voir le nom de personne. Aujourd'hui, là, c'est la journée de l'amour. C'est la journée de l'amour. On va couronner Mafou. On va la couronner ce soir. C'est pour ça que... C'est pour ça que les vieilles personnes comme moi, nous nous sommes levés. Je me suis levée pour une première fois dans l'histoire. Je vais aller à ce genre de soirée. Avec et tout ça, c'est pour Mafou. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour elle. Je le fais. Donc, c'est une journée de paix et d'amour. Une journée de couronnement. Donc, le reste, on va Quand tu entres dans l'histoire Schengen, il y a le contrôle. Hein. Quand tu descends de l'aéroport, avant d'entrer en France, il y a le contrôle. On contrôle tes papiers. Il y a la police d'immigration, on contrôle tes papiers avant que tu entres en France. On ne veut pas n'importe qui dans l'immigration. On sait que les gens truquent. Il faut que montrer tes papiers avant d'entrer. Bien sûr. Tu montres tes papiers avant d'entrer. Hein. Bien sûr. Elle vient dire que dans quel Schengen on contrôle les papiers. Comment tu es tellement bête. Hein. Vraiment. Il croit il dit que mon. Attends, tu dis que je te montre mes papiers. Donc tu vas te faire la capture d'écran. Tu as envie de voler mes mecaolo. Ok, ma fille, me repose. Pardon, ne réponds à personne aujourd'hui, là, s'il te plaît. Non, c'est au pont, j'ai maman dit, au pont, moi. Bienvenue, le reste, tu laisses, s'il te plaît. Parle de ta venue, comment tu as été, et puis voilà, basta. Tu laisses. Aujourd'hui, c'est Mafou, c'est elle. Tous ceux qui veulent qu'elle ne réussisse pas. Ils sont voués à l'échec. Et elle va réussir. Et sa soirée est déjà réussie. Et nous partons là-bas pour elle. Pour non, elle, pas pour personne. Non, la soirée de la femme, il a réussi. C'est un réussi pour ça. C'est un plein à craquer. C'est un plein jusqu'à... C'est un pas bon. C'est un plein mal.
Donc voilà. Tu as plein à craquer. Je te laisse, ma fille, s'il te plaît. Mali, tu reviens à quelle heure? Tu reviens à quelle heure? Tu redescends de Paris à quelle heure? J'ai déjà dit à Clarisse, j'ai déjà préparé avec elle. J'ai arrangé avec elle. Ah, ok. Bon, à toutes. Allez. Bon ok, maman Lili, tout à l'heure dans ma main. Tout à l'heure, maman Lili, tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Mon tête enlève. Qui me montre? Elle ne parle même pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Essaye de manger. Mais... Dans la soirée, c'est à craquer. Maman. Essaye de vivre la tête. Non, il sent. Il sent de les manger. Ah, comme ça. Il dit que la soirée, là, sera à craquer. Donc, maintenant, vous allez fermer vos bouches. Il n'y a plus rien à dire. Parce que vous allez taper sans dame. Qui va se négliger? Je vais porter ce qui est à mon niveau. Ce que Dieu m'a donné. Tu comprends? Je n'accroche pas mes mains. Le moment ne peut pas arriver. J'accroche mon sac. Dieu peut décrocher. Tu vas porter pour 2 euros. Mais je porte la bille de 10 euros. Parce mais c'est si fier. Voilà. J'ai porté la bille, j'ai porté la chaussure de 1 euro. Je serai content. J'ai ma famille en Paris. Hein. J'ai ma cousine à Paris. Mais je parle pour les gens me veulent du bien. Je ne parle pas pour les gens me veulent du mal. Voilà. On sent que les réseaux sociaux, c'est l'amour. Voilà une maman comme maman Lili. Je ne la connaissais pas, nous, d'Adam Lidek. Mais je l'ai connue dans les réseaux sociaux. Elle m'a adoptée comme sa fille. Tu vois? Elle est venue me prendre, avec tout le foie là. Elle a marché. Comme tu vois, elle est venue me prendre, maman, avec cette toute. Tout était organisé. Tu vois un peu, c'est un peu ça. Donc, pour dire que on peut trouver des belles personnes. Soyez humbles. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent qui fait que quelque chose. Non. Donc, c'est un peu ça. Vous ne parlez plus. Vous partez donc à Paris. Vous partez donc à Paris. Vous partez maintenant donc à Paris. Donc dans la vie, avant de parler de quelqu'un, il faut connaître sa vie. La vie de la personne, c'est vraiment vrai. C'est que tout ce que vous avez raconté ce matin, le mensonge. Au lieu qui a honte. C'est vous qui avez honte. C'est vous qui avez honte. Ignore le moment. Tu vois, j'allais le dire. Ok. Tu vois, non. C'est vous qui avez honte. N'est pas moi honte. C'est un peu ça. Donc, c'est ça. Nicole, au poste de haut à toi. Nicole, merci maman Christine, merci maman, merci maman Christine, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Donc, en attendant, j'attends maman Pépé, dès qu'elle m'a dit que dès que Nicole, je suis très content. Merci, oui, c'est quoi là, c'est un peu non anglais, je ne crois pas. J'attends maman Pépé, quand elle sera à Paris, elle va m'appeler, on va se rencontrer. Donc, c'est un peu ça. Maman, il dit qu'il veut capturer mes papiers. Non, il n'y a pas de souci. Il veut capturer tout ce qui dit que Nicole monte des papiers. Parce que vous voulez capturer mes Kaolo. Vous voulez capturer mes papiers pour les fabriquer pour vous. Vous voulez capturer mes cas pour les fabriquer pour vous. Je ne le montre pas. Il n'y a rien à vous prouver, vous les petits ténébreux là. J'ai fait la vidéo sur l'avion. J'ai dit, elle a le même avis. J'ai fait la vidéo de mon. Je le montre, mais vous voulez capturer mes Kaolo. J'ai fait les papiers, non. Vous l'avez capturé pourquoi? Bonjour, maman. Coucou, Nini. André Yamsa. Bonjour. Vous voyagez, mon beau. Très bien voyagé. Maman, ne montre pas tes Kaolo. Les ténébaux, là, ils veulent capturer. Ça ne montre pas. Tu as fait comment pour prendre le vol? Donc, on prête aussi le vol. On entre seulement aussi comme ça pour prendre les photos. Donc, les ténébreux là, même jusqu'à présent, les ténébreux là doutent toujours. Ya, yeah, honte à vous. Honte à vous, ya. Yeah. Nicole a fait le bim. Vous allez souffrir seulement de voir Nicole dans le ventre de l'oiseau. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pleurez quoi? Vous n'êtes pas fatigué de pleurer? Okay. Donc, même dans le vol qu'elle a pris, elle a pris le vol.
Elle est entrée dans le ventre de l'oiseau. Vous discutez toujours, vous niez toujours. Honte à vous. Non, la quand tu arrives en France, il y a encore un contrôle, non, dans les migrants. Même s'il n'y a pas le contrôle, Nicole, même s'il n'y a pas le contrôle, tu as pris le vol, c'est de ça qu'il s'agit. On n'entre pas dans les détails. Le reste, là, c'est les détails, on s'en fout. Tu as pris le vol, c'est de ça. L'histoire est vrai que tu as pris le vol, c'est tout. Je suis venue en paix, parler encore. On est fait. C'est tout. On n'est pas là pour crier. On n'est pas là pour crier, mon frère. On ne crie pas. C'est comme sur le jour. Vous avez pleuré que Nico n'a pas pris le vol, Nico n'a pas les kaolo. Elle a même montré ses kaolo en direct. Vous avez toujours crié. Mais elle a même pris le vol, vous pleurez toujours. Maman, pour le 9 de. Donc, mais la télécommande de Facebook, c'est ma faute, il n'y a pas son 2. Elle a fait le bim. Tout le monde. Mais les gens, j'ai dormi à minuit. Parce que je voyais le direct des gens qui disent oh, ma faute, va nous appeler. Oh, on a fait les mauvais, où c'est les ancêtres nous ont dit que oh, c'est monté, c'est descendu. Maman, ma foi, Guy Chombe. Maman, j'ai tellement demandé que donc, c'est ma foi la seule dans Paris à organiser les soirées. Parce que les gens qui parlent de la soirée là, hein, moi-même, je n'ai jamais vu sur Facebook. Hein. C'est du jamais vu. Hey, jusqu'à tu es quitté en Italie, tu es arrivé. Donc, j'ai vu quelqu'un là qui a commenté que tu as pris le train. Quand tu quittes Allemagne, Paris, même dans le bus, le contrôle de ça. Je dis que dans le train, pardon, le contrôle de ça, même dans le train, le contrôle papier. Mais je dis que ma petite est venue me rendre visite ici en Allemagne. Elle a oublié ses. Elle n'est pas venue avec le passeport de ses enfants et ses papiers. Elle a oublié tout. Maman, on l'a fait descendre dans le train. On l'a strappé. On l'a envoyé le dangereux strafel. Les Allemands ne blaguent pas. On l'a envoyé le strafel de 350 €. Qu'elle doit payer. On a envoyé ça à Paris. Qu'elle doit payer. On l'a fait descendre à Strasbourg. Là-bas, on est seulement parti chercher là-bas avec la voiture jusqu'à l'amener ici. Qu'elle ne peut pas entrer parce qu'elle n'a pas les cas. On a la frontière. France-Allemagne, elle est descendue. Donc, quand les gens n'ont rien à dire, vous la fermez. Nicole a fait le bim. Vous doutez toujours. Allez dans sa page. Vous allez voir qu'elle a pris le vol. C'est de ça qu'il s'agit. Ni ne te justifie plus. Le soir, tu es belle, maman. Même si tu portes la vie de 1 €. Même si c'est 1 €, l'essentiel de que tu sois belle avec. C'est tout. C'est tu ne fais pas la concurrence avec une personne. Même si ton habit coûte 1 €. C'est tout. L'essentiel que tu sois là. Je sais que je suis là à la soirée d'amour, c'est tout. C'est tout. Même si tu portes la vie de 1 € ou bien de 5 € et que ça te convient, c'est de ça qu'il s'agit. C'est tout, maman. Mais discute plus avec quelqu'un, ne te justifie plus et ne montre pas tes papiers parce que tu montres, ils vont faire les captures d'écran, c'est ça. Ils vont capturer ça. Allez faire le chat. Allez voler avec ça et puis on vient te créer les problèmes. Nicole, ayo, payo, payo. Tu es entré dans le ventre de l'oiseau, mais c'est de ça qu'il s'agit. Big up à toi, oh. Fais ta coiffure, tu te coiffes, tu es belle. Le soir, là, non, ça va aller vite. C'est tout. Le reste, là, on n'est pas là pour crier. Ça ne choque pas, c'est les détails. Bisous à toi, ciao. Merci beaucoup, ma mère, merci beaucoup, merci. Pas qu'on te voit. Hein. Pas qu'on te voit. Je t'ai dit. Maman, on est sous vous, hein. Donc, vous doutez encore. Bonjour. Donc, vous doutez toujours, hein? Continuez à douter. Kimia, Aurora, Angoula n'a rien dit de mal. Calme. Ah, ok. J'ai compris, maman. Merci, j'ai compris. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Erika, la soirée, là, c'est la Chimamelu. C'est le ça qui est ça. Donc, acceptez la défaite. Et le soir, là, la magie seulement. Donc, vous, les ténébaux, là, mettez les radars. C'est moi, vous allez faire les directs. Vous allez parler de la soirée d'Amafo. Elle, c'est elle qui commande Facebook. Elle a télécommande des réseaux sociaux. Elle a télécommande de Facebook. C'est de ça qui est ça. C'est de ça qui est ça. Elle dit que, maman, Dieu rendra le téléphone de tous les télébés en paix. Ils vont. Claudia qui l'a dit quoi? De ma voix, je te. Maman, même dans le train, on contrôle. Maman, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, que okay. Vous les télébois, hein? Vous les télébois. Vous les télébois, là. Je vous ai mis bim. Le bim que vous n'attendiez pas. Je vous ai mis bim. Vous êtes tellement bête. Vous croyez qu'une personne qui vient se chercher en Europe peut venir s'asseoir dans les réseaux sociaux, venir parler sans avoir quelque chose en poche.
vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Parce que vous êtes tellement bête. La team de la lumière, c'est la lumière de la team gagnante. Maman Peppa a fait un bim le 2 décembre. Mafo va faire le terminatoire d'une bim le soir. Et elle sera honorée à sa juste valeur. Mafo sera honorée. On va la soulever comme ça à sa juste valeur. L'entrée de Mafo à la soirée-ci, ce serait de venir voir. L'entrée de Mafo à cette soirée-ci, ce serait de... Vous allez pleurer avec les larmes aux yeux. Comme des éléments jaloux. Vous n'aimez pas voir les gens réussir. Vous n'aimez pas voir les gens réussir. Confident. Vous n'aimez pas voir les gens réussir. Mais sa soirée, c'est devait être de venir voir. La soirée de l'heure. Parce que ma fauchou serait tellement belle jusqu'à. Elle sera la chimamelu. Avec maman Pépé, la beauté de ça. La beauté de ça. Il dit que Claudia, c'est un bête. C'est un bête. Il veut que lui monte mes cas. Il a même voyagé, c'est un bête. Il a même voyagé, c'est un bête. Il veut que lui monte mes cas. Un idiot, c'est tellement bête. Et donc, tu vas venir ici, tu vas rentrer ici en France. Ça, sans voir le truc d'immigration pour monter encore tes papiers. Vous êtes tellement bête parce que ça vous appartient. On comprend ma voix. On comprend. Tellement bête. Nicole a un enfant, elle ne peut pas être ça. Maman, Lika, il a dit que Nicole n'a pas les papiers. Oui, maman. La maman de Nicole arrive en Italie disant avoir un visa tout ici. Dès qu'elle est sur le territoire, elle a. J'ai dit vraiment, franchement. Hein. Si tu prends ton téléphone comme ça, là, on voit ça. Oh. Ce n'est que ça qu'on voit derrière toi. Alors, oh, voit, ok. Tu t'en mets ça ici. Tu sais. Ma femme, elle n'est pas bonne. Ok. Elike, maman, contre ou pas contre, tu as. Maman, Elike, maman Jacqueline fait belle. Maman dit que Wanda, je suis eux. Hein. Maman, Wanda, je suis eux. Contre ou pas, je suis à Paris, maman. Je suis à Paris, hein. Contre ou pas, moi, je suis à Paris. Maman, c'est ça qui est ça, hein. C'est ça qui est ça. Je suis là. Je suis là. J'étais là-bas à Gare de Lyon. J'ai trouvé les ténébreux. Il est moyen, on entre dans le truc que vous connaissez sur cette boule là. Je suis à Paris. On a encore venu encore parler quoi. Jusqu'à l'heure de télébris, tu as dit que Nicole, pourquoi tu n'as pas clash? Pourquoi tu n'as pas parlé de mal au fait que maman elle cherchait le buzz. J'ai dit que j'ai fait vu ignorer. J'ai dit que moi j'ai fait, viens parler pas les non-aimes. Le fait donc. On a mis même ses balises. Ouais, maman. Elle a fait un théâtre. Laisse ça. On parle que de la soirée du 9 et on parle que de la soirée de la Mafo. C'est ça que c'est, maman. Nicole est quand même venue, maman, sans papier, quand même venue en peine pour la soirée de sa mère. Pour la soirée de la Mafo. C'est quand même venue à Paris pour la soirée de la Mafo. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, on parle que de ça. Hein. C'est la soirée de la Chimamelu. C'est le territoire. Il venait voir. Maman, ça va parler partout. Les robes de soirée, alors, c'est le grand frère. Ah! Moi, qui va se négliger? Qui va se négliger? Qui va se négliger, maman? Personne va se négliger, ma mère. Pardon. Oh. J'ai appelé ma petite Aïcha Djamela. Yale. Ma mère Aïcha Djamela. Je veux mettre sa petite en honneur. Je veux porter la petite Aïcha Djamela. Je veux dire que oh, Nicole, machin, tu quand en donnant les perruques, ce n'est pas bien que tu donnes. Non. Non. Pourquoi vous dites ça? Le jour qu'elle me donnait la paix, elle m'a dit que Nicole, tu peux vendre ou tu peux donner à d'autres personnes. Elle ne m'a pas donné la paix pour dire que non. Je vais porter sa paix. Oui, et je vais porter sa paix de soir. J'ai donné aux gens que j'ai donné, aux gens qui m'ont soutenu sur la toile. Il fallait que je le fasse, il fallait que je honore cette personne. Nicole ne te justifie pas, laisse. Moi, non. Je vais porter la paix d'Aïcha Djamela. À partir de. Je ne vais même pas parler de tout cela. La peur de l'heure, maman. Oh Dieu, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant béni. Un enfant de Dieu. Maman, pomme, la peur est venue en crépate.
La peur que maintenant fait part, maman. Maman la chie, maman, de la peur. Oh, maman, oh, Nicole, oh, maman, etc. Et c'est une maniaque, seulement, mais pas, pas au même niveau que maman Pépé. Ma foi, eux, encore, c'est le grand frère. Moi, pour moi, il prend ce qui me convient. Pas non. Moi, il prend ce qui me convient. Donc, au niveau de maman Pépé, ma foi, c'est encore le grand frère, au niveau. Pour moi, Nicole, non, Adèle, quelqu'un qui a parlé ici à Marisa. Non, hé, hey, moi, je suis comme ça. Comment? Hey, dans la vie, soyez dans la vie. Pourquoi tu vas encore ici? Quand quelqu'un t'a tendu la main, hey, si tu vois l'occasion de honorer cette personne, hey, tu l'honores. C'est comme ça que moi, je suis. Donc, j'ai vu les, j'ai, après, j'ai vu les commentaires, Nicole, oui, non, Nicole, non, 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 non. Comme ça. Maman Ebène, bonjour, c'est comment? Nicole Biobloc, veux bloquer après. C'est si ça passe vite, c'est là que ça passe vite au. Oh. Donc, ça passe vite, hein? Voilà, je vais te. De... Maman, il est là pour. Il va usurper mes papiers, maman. Il lui montre, je montre mes carreaux, il manque. C'est son témoin. Père, c'est le morguier. Il veut que lui montre mes carreaux. Il le montre pas mes carreaux, maman. Tu vas voler. Tu vas faire les captures des grands des papiers. Oh, maman, la honte de ça, maman. Pipi, tu m'as vu, maman. Pipi. Pipi. Pipi, tu m'as vu. Pipi, tu m'as vu, maman. Pipi. Attends, quand tu me vois, maman, pépé, là, ton cou, c'est ici, quand le cou va t'attraper. Pipi, tu m'as vu. Elle là-bas, elle n'a même pas les papiers. Pipi, il peut caroler ta fille. Dans l'après-midi, maman, pépé. Dans l'après-midi, live avec ma mère, maman, pépé. Lique, pipi, tu m'as vu. Angèle, t'es tranquille. Bonjour, ma mère. Comment tu vas, ma tata chérie? Tu vas bien, merci beaucoup. Pipi, tu m'as vu. Elle n'a même pas les papiers, pas venir, elle peut pas venir en bain. Pipi, tu m'as vu. Je suis à Paris, Pipi. Regarde-moi, je suis à Paris. Regarde, naturel. Regarde-moi, je suis à Paris. Il n'y a pas mis au make-up. Eh, mais je viens. J'ai enlevé ma peluche. J'ai enlevé ma rataille. Maman Lily m'a enlevé ça hier. Avec ma maman Simon, enlevé ça hier. Tu m'as vu, Pipi? Moi, je suis à Paris. Hein. Je suis à Paris. J'étais à la gare de Lyon. J'étais à la gare de train. À la gare du Nord hier. J'étais à la gare du Nord hier. Je vais rencontrer le monsieur qui a le tu de la, le restaurant Bangou. Pour parler de toi. Hein? Hein? Tu dis? Maman, pour live midi. Ah, ok. Elle veut dire que t'es. Ah, ok. N'y va. Tu vois un peu, non? C'est ça. J'ai dit que, oh, il y a les slaps, le. Donc, tu m'as vu, Pipi. Bon, voici. Bon, voici à Paris. Bon, voici. À Paris. J'ai vu où tu manges au restaurant Bangou, Pipi. J'ai vu comment la vie est. Tu vois comment la tête tourne. C'est une de tes Pipi Mania qui m'a montré d'où tu manges. Au restaurant Bangou. On ne t'aime pas, hein. Les gens la font semblant de t'aimer, on ne t'aime pas. Tu dis. Je me vais finir avec toi. Tu as au moins payé le ticket de la soirée. Bravo. Maintenant, nous sommes prêts pour les télédemandes de Chupou. Claudia, décide. C'est les télébois. Claudia, dit c'est les télébois. J'ai mis bim. J'ai mis bim au télébreux. J'ai mis bim, il est 10h. J'ai mis bim. J'ai mis bim au télébreux. Bim. Bim, bim. J'ai mis bim. J'ai mis tachy. Elle est calme. Crotty crota. Les crottes des nez. Crotty crota. Elle a dit que. Elle ne connaît pas mal les carolos. Crotty crota. Quand tu es entré, quand tu as fui l'Italie pour venir en France, tu es passé par le train. Tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas les papiers.